Pierre Cardin. Il voulait toucher beaucoup de monde, le monde entier en plus. Et il est allé le premier en Inde, Japon, Russie. Et même, il a fait un défilé sur la muraille de Chine. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment avait une vue totale, globale, impériale. C'est un empereur, quoi. C'est un empereur total. Je 一个定义来定义它，比方说时装设计师啊，或者什么，这都其实都还完全超过了这个。In a word, chic. Pierre Cardin, c'est énorme, c'est un monument français, c'est l'histoire de la mode. C'est quelqu'un qui incarne le monde d'hier et a incarné aussi le monde futur. Many of his ideas have become mainstays of the fashion industry. They were incredibly original and innovative when he brought them into play. Il s'est pas servi des livres d'histoire pour faire ses créations. Il a inventé un style. Pierre Cardin, c'est quelqu'un qui a décodifié, déstructuré les interprétations classiques. L'interrogation première, c'était « Et pourquoi on ne ferait pas autrement ?»« Mais pourquoi on ne ferait pas l'inverse ?» C'est vraiment faire table rase du passé et s'aventurer dans des champs nouveaux de la création. C'est un tissu qui vient d'être fait pour la protection des prochains satellites, pas dans 4 mois. On va faire en fait un vêtement avec des chutes, donc des vêtements de recyclage. La société était à l'orée d'une grande transformation avec les années 60 et M. Cardin, qui est un grand visionnaire. L'idée de base, c'était véritablement d'ouvrir la création, la sortir de ce petit réseau parisien très bourgeois des salons de haute couture. Et lui dit non, 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 il n'y a pas de raison. Je vais essayer de le donner à tout le monde le plus possible. Je crois que les femmes qui dépensaient l'équivalent de maintenant de 2 ou 3 millions par robe, ça ne peut plus exister parce que les robes sont premièrement très bien faites dans beaucoup de maisons et deuxièmement, ce que l'on demande à Paris, c'est uniquement la créativité. Et je pense que cette créativité doit servir au maximum de femmes. Je trouve que ce n'est pas uniquement les femmes privilégiées qui ont de l'argent qui doivent s'habiller en exclusivité. Il fait entrer la haute couture dans un grand magasin de la rive droite. Alors, en somme, ce que nous allons avoir dans les grands magasins, ce sont les mêmes copies qu'ont les Américains ou tous exactement. Les étrangers. Exactement. Bon. Vous pourrez, la Parisienne pourra acheter dans les magasins de France et tout au moins de Paris. Lorsqu'il a fait le prêt-à-porter au grand magasin du printemps, on l'a quand même mis à la porte de la chambre syndicale de la haute couture. Ça a été comment un couturier peut faire du prêt-à-porter? Le prêt-à-porter féminin a été créé par Pierre Cardin. En effet, c'était assez scandaleux à l'époque de vouloir habiller la concierge tout en habillant la duchesse de Windsor. Le but que je voulais atteindre, c'était d'habiller la rue, c'était d'habiller mes semblables.
Lorsque j'ai fait des collections pour hommes, lorsque j'ai entrepris l'environnement, dans le fond, c'est ça qui est intéressant, c'est le risque. Menswear changed so dramatically because menswear was so based around that men wore suits. So once we started to relax, a lot of people wanted Cardin because it was modern and it was young and it was different. Et il a osé penser à l'homme comme possiblement un mannequin. J'ai été le premier mannequin à Paris pendant, tout de suite après la guerre. Parce qu'être mannequin, ça veut dire être homosexuel. Et à l'époque, c'était très mal vu. À l'époque, en France, aussi dans le monde entier, l'habitude de voir que des visages blancs avec des filles blanches, pour M. Cardin, les modes, c'est international. Donc, il faut quand même différents visages, différentes images pour la maison. When I draw dress, I don't thinking tall or small or Japanese or French or American or Australian girls. I'm just thinking dress to put the body some one form, you know. He really brought that to the fore during the 50s and 60s, where we were changing our idea as to what could be in a fashion magazine, even from the very beginning. He didn't go for the conventional set of mannequins at that time. 日本来る時に松本ひろ子さん紹介したんですよね。語り気はそんなないんですけれども、それをすぐ見抜くやっぱり力っていうのは、あのやっぱりピエール・カルダンさん大したもんです。 If he felt that they were right to show his creations and express his creativity and his designs, and he chose in the right frame of mind, he decided that it's okay to use a Japanese person. It's okay to use a person that looked like me with brown skin. What he was selling was not a color of a skin. He was extremely instrumental in being one of the designers to use models of diversity and all color. So for that, I thank him. C'est l'homme qui a mis son nom sur plus de 800 produits. En mettant le nom d'un haut couturier sur chose extrêmement humble, il permet à toutes les grandes marques plus tard de faire la même chose. Il ouvre la boîte de Pandore, clairement. What's been described as the licensing, we now fully recognize as branding. I think the first time I heard about Pierre Cardin was because someone I was dating was wearing the cologne. What's the new fragrance? The Pierre Cardin. If you didn't have that, you weren't cool. W. Bon, très bien, tu peux aller, tu peux continuer. Très bien, merci. The Cardin option really gave them a piece of distinction that no other manufacturer had. Not content to being earthbound, he lent his brand and his ethos to a plane, an executive jet by Westwind. Branding is really a perfect way of telling people, I am aligning myself with the, you know, aesthetic principles of this particular designer. I understand good taste. Mars. 数えたことないですけど、だいたい300着ぐらい持ってますか。私はですね、もう50年ぐらい前から。1957年、私は24歳ぐらいです。初めてカルダンの作品を見ないうちから好きになって。これが折り紙シリーズ、これにしたってすごいと思いますよ。うん、ビートルズが着てる、あれはカルダンのデザインなんですよ。カルダンさんのって、あんまりそのスタイルがね、いいとか、背が高いとか、低いとか。関係なく、やっぱりすごく皆さん綺麗に着られないんですね。C'est l'essence, si vous voulez, c'est la production qui est intéressante. Je gagne plus d'argent sur une cravate vendue que sur une robe vendue à millions. From the very beginning, he never accepted any money. He never took a loan from a bank. He's that clever as a business person. Dior, the houses of Dior and the other houses, they have been developed, but they've been developed by marketing teams and by marriages and alliances with other big corporations. Pierre Cardin belongs to Pierre Cardin.
il est moderne, c'est-à-dire qu'il a une façon de penser moderne. J'essaie de voir la femme que j'habille, la vivre dans un contexte qui est le mien, et c'est pour cela que nous avons commencé à faire des U-Design. En réalité, c'était la sculpture. Il a déjà tout de suite pensé aux meubles comme des sculptures. Pour lui, c'était un naturel. Il y a toujours des problèmes, donc il faut faire la nuit, il faut faire deux nuits, même voire trois nuits en blanc pour arriver à quand même à respecter. Et c'était toute ma vie avec Pierre, c'était comme ça. Ok. J'ai commencé il y a 25 ans et j'étais à Venise, dans son très beau palais, qui lui appelle Casanova. Mio zio ha voluto che realizzassi questa gondola in versione terzo millennio, plexi. Glielo proposi, lui dice, senz'altro la facciamo. E fu il primo lavoro che abbiamo fatto assieme. J'ai travaillé 4 mois, et il est venu à Venise, il a vu tout ça sous l'eau. Elle était contente. Il a vu ma côté d'énergie créative et il me disait, on vient à Paris, viens à Paris. Comme ça, tout est commencé. L'air lunaire lui donne une nouvelle dimension dans l'art et dans la pensée. Mon oncle a toujours vu, vraiment pas 10 ans après, 50 ans après. Donc le futur dont il parlait, c'est pas encore arrivé. Man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. The exploration of space will go ahead. Je suis la seule personne au monde à avoir marché dans le costume de l'homme qui a marché sur la Lune, la seule personne au monde. Il faut savoir que la dernière année, vécue à côté de lui, la seule chose qui pouvait distraire mon oncle, c'était des émissions sur la Lune, sur l'espace, sur la création, sur les voyages spatiaux du passé, du présent. Moi, j'adorais. Donc, on regardait ces choses-là à 2 heures du matin, 3 heures du matin. On regardait des lancements en direct, on a vu. Quand je regardais la télé, il regardait moi pour voir mes yeux. Je me suis aperçu parce que je le voyais avec la queue derrière de mon œil. Il voyait que j'étais intéressé. J'ai décidé d'aller en Guyane parce que c'est la base spatiale européenne. Je lui en parlais avant qu'il parte et il était enthousiaste. Donc pour moi, c'est une mission. La mission 3022. 3022, 22 parce que c'est l'année. C'est l'année de la naissance de Pierre aussi, le 22. Et 3000 parce que c'est le futur. C'est pas aujourd'hui ni demain, c'est le futur loin. La chose qui m'a plus intéressé et rendu curieux, c'est de voir que cette recherche scientifique destinée au lancement de satellites, à la fin du compte, était pour la protection de la Terre.
Thank you.
Thank you.